Bonsoir et bienvenue à Espace Public. Cette semaine à l'émission, on vous fait voyager. Alors, Chloé Asselin, notre chroniqueuse voyage, sera avec nous un peu plus tard dans l'émission avec de superbes destinations. Vraiment, là, ça va vous donner le goût avec la saison automnale qui est bien installée. On a envie de chaleur. Alors, c'est ce qu'on vous propose un peu plus tard à l'émission. Tout d'abord, Anne Desrousseaux est avec nous du CJE. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on aura un petit peu plus tard, évidemment, un reportage et témoignage, en fait, de gens qu'on est allés rencontrer il y a quelques jours à peine. Mais juste avant, on veut parler des services, évidemment, qui sont offerts chez vous, qui sont nombreux aussi. Oui, alors tout à fait. Donc, nous offrons des services aux personnes qui arrivent nouvellement dans notre belle région, donc dans la MRC. Donc, qu'est-ce que nous offrons comme service? Eh bien, nous pouvons les aider à la recherche de logements. Nous pouvons les aider aussi en faisant un tour de ville pour bien leur montrer les différents magasins, les différentes institutions. Se situer dans l'espace aussi, là. Oui, voilà, exactement. Et puis, on peut les aider aussi pour ouvrir le compte bancaire. Mm-hmm. On peut les aider pour le numéro d'assurance sociale. Figurez-vous que je connais même des personnes autour de Saint-Georges qui ne savaient pas que le numéro d'assurance sociale, on pouvait le faire à Saint-Georges. Alors, donc, tout le monde peut apprendre. Alors, tout le monde peut apprendre, effectivement. On peut les aider aussi pour la recherche de travail. On a des personnes qui sont spécialisées pour refaire un CV à la Québécoise, des lettres à la Québécoise. On peut les intégrer vers des ressources pour la francisation. On peut aussi les aider pour la recherche de gardiennes pour les enfants, parce que vous savez que ce n'est pas facile pour nous, alors ça ne l'est pas non plus pour Tout eux. À fait. Et puis, nous offrons aussi des ateliers gratuits, des ateliers sur, par exemple, comment acheter une maison, les impôts, sur la culture, ce que l'on peut faire dans la région de la MRC. Et ce sont des ateliers qui sont gratuits. Nous avons aussi des activités gratuites à la fin de l'été, un pique-nique. Oui. Bon, ensuite, nous avons aussi pour le début janvier. Et puis chaque année, comme cette semaine-là, nous avons aussi un cocktail qui est organisé aussi par la ville pour les nouveaux arrivants de l'année. Voilà. Des activités ou encore un service qui est beaucoup plus technique dans certains cas. Oui. Et d'autres plus interpersonnels aussi, parce que les deux sont importants, évidemment. Oui, tout à fait. Puis oui, j'ai oublié de le mentionner, nous sommes là aussi pour les aider ou pour les guider dans leur démarche souvent de papier ou quand c'est le moment de faire les papiers pour la résidence permanente ou etc. Parce que ça fait beaucoup de choses ça en fait même beaucoup temps. De choses, puis c'est pas toujours facile. Tout à fait. Oui. Alors, on est allé à la rencontre de quelques personnes. Voici ce que ça donne. Nous, CDD, on a pris la décision d'aller chercher des travailleurs étrangers à l'extérieur, dans le fond du Canada, parce qu'on avait vraiment un gros manque de main-d'œuvre ici. Donc, on va chercher beaucoup, dans le fond, d'employés qui vont sortir des écoles, tout ça, mais on a vraiment un gros manque. Donc, on a pris la décision d'aller à Paris. En fait, l'année passée. Donc, on a fait la première expérience. Puis, on en a accueilli 4. Donc, on y retourne encore l'année dernière. Ça a moins bien été, mais vraiment, au futur, on va vraiment élargir même nos horizons. Au départ, c'est ça, on a tout averti nos employés, bien entendu, qu'on allait avoir de nouveaux, dans le fond, travailleurs qui allaient venir de l'extérieur. Donc, ils étaient tous au courant, puis ils nous ont vraiment donné un gros, 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 gros coup de bain. Ils nous ont vraiment donné, dans le fond, donner beaucoup à ces gens-là. Donc, s'il y avait besoin, je sais pas, moi, de casseroles la première nuit, d'un lit, de linge pour leur enfant, parce qu'on s'entend qu'ils venaient de la France, donc ils n'ont pas d'hiver comme ici. Donc, ils ont vraiment donné des choses. Ça a super bien été pour ça. Puis on a fait beaucoup d'activités aussi avec eux pour qu'ils comprennent. Donc, exemple, la cabane à sucre, on leur a présenté ça. On a fait beaucoup d'activités pour que dans le fond, ces travailleurs-là se jumellent avec des employés d'ici. Donc, si on avait un sportif un peu plus qu'on savait, bien, on le mixait avec quelqu'un ici qui aimait beaucoup le sport. Les employés qui sont venus ont vraiment vu déjà qu'ici, on a un très, très gros esprit de famille. Donc, ils ont vraiment été surpris, en fait, la première fois, parce que je vous dirais qu'à Paris, c'est pas le même genre de... le niveau hiérarchique est très différent. Donc, ils ont été surpris que, exemple, le président était vraiment autant... tu sais, lui demander des questions personnelles, puis comment ça va avec votre famille et tout ça. Puis, ils ont vraiment super bien apprécié ça, puis vraiment très bien... dans le fond, ils ont bien complété notre famille, si on peut dire. À notre première expérience à Paris, en fait, on a été très, très, très surpris de la qualité des CV qu'on avait. Parce que c'est sûr qu'ici, on en a tellement pas qu'on a souvent des personnes qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Mais là-bas, des personnes avec énormément d'expérience, un gros bagage scolaire également. Donc, aussitôt qu'ils sont arrivés ici, c'est des personnes qui étaient, dans le fond, à l'aise dans le poste beaucoup plus rapidement. Fait que c'était vraiment un gros plus aussi. On est arrivé, on vient de Montréal. On a vécu à Montréal 2 ans, puis on a
On y arrive ici. La première des choses qu'on nous a dit à Montréal, c'est que vous allez en bosse. Ah. Les gens doutaient qu'on sera vraiment bien en bosse. Plusieurs gens nous ont dit que les bosserois sont des conservateurs et ils n'acceptent pas vraiment les étrangers tout de suite. Bon, on s'est dit que c'était un défi pour nous. On va voir la bosse là. Mm-hmm. Puis on était vraiment surpris parce qu'on n'a pas trouvé ce méfait, si on peut dire. Non, au contraire, on a trouvé un accueil. Je ne connaissais pas au début des gens, donc je prenais mes enfants pour aller au parc, pour marcher, pour essayer de découvrir la ville. Ben, on a rencontré que des beaux sourires. Puis même mon mari a été bien accueilli. On a eu même des amis bosserons, si on peut dire. C'est des bosserons de souche. Mon intégration dans le milieu de travail, jusqu'à maintenant, je travaille comme intervenante à l'aide de devoir en premier, à l'école Monseigneur Fortier. J'étais bien accueillie, je suis à l'aise avec les enseignants, avec la direction. Je suis même membre de CE de l'école. Je suis très bien. Là, cette année-là, j'ai commencé au mois de mai, comme commis à la bibliothèque, c'est la bibliothèque de Saint-Georges. Je suis très contente. C'est tout le monde qui m'a acceptée, m'a accueillie. Ici, en général, ils me posent et me disent de quel pays vous êtes d'origine. Je suis de l'Algérie. Il y a des gens qui aiment ça. Ah, l'Algérie, je connais. Il y en a eu. Les plus jeunes, peut-être, en général, ils disent, c'est où? C'est le nord de l'Afrique, là. Puis, ils me parlent de mon voile. Est-ce que c'est religieux? Bien, c'est vos traditions. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que vous avez été obligé? Ce genre de questions. Mais ça a été toujours un beau sourire, avec un beau sourire. Puis, comme il y a eu pas mal de gens qui disent, bienvenue à Saint-Georges. Madame Desrousseaux, les gens qui voudraient entrer en contact avec vous, les moyens sont nombreux. Oui, bien sûr, notre bureau est situé sur la première avenue. Nous avons aussi, évidemment, un téléphone. Nous avons un groupe Facebook Trade Union, une page Jimmy Grandbos. Et il faut surtout ne pas hésiter à venir nous voir parce que nous sommes là pour aider les personnes. Et je précise, de 0 à 99 ans. Voilà. Merci beaucoup pour votre passage à l'émission. Merci beaucoup. Laïs Beau-Sartigan pour l'Association pour l'intégration sociale Beau-Sartigan travaille depuis maintenant 30 ans à l'intégration sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. On fait ça comment? On fait ça en offrant du répit du lundi au vendredi aux familles, à des jeunes adultes de 21 ans et plus pour permettre aux résidences ou aux familles de vaquer à leurs occupations et de fin de semaine, les samedis, pour des groupes de 4 à 90 ans d'activités de loisirs, d'intégration. On leur fait vivre des activités qui sont normalisantes, que tous les autres enfants ou autres adultes veulent vivre. Donc, loisirs en sortie dans les municipalités de la région, à l'extérieur, à l'aquarium ou des trucs comme ça, ou que ce soit des bricolages, des activités ludiques, des activités sportives. Question que les familles aillent du répit et puissent, pendant une journée dans la semaine, prendre un petit repos de ce qu'ils vivent quotidiennement dans leur famille afin que ces parents-là puissent avoir accès à un repos. On a plusieurs activités, que ce soit des soirées de danse une fois par mois, des cuisines collectives pour permettre aux jeunes adultes de cuisiner aussi des repas pour la semaine. Les samedis, les activités, comme on le disait tantôt, des groupes de socialisation sur semaine les jeudis soirs. On a des ligues de quilles le lundi soir également. Les activités sont très, très variées et on répond à des besoins d'une 250 familles environ dans la région qui ont besoin de nos services. Ville de Saint-Georges s'est dotée d'un nouveau skatepark. Notre équipe est allée à la rencontre de son concepteur. On est présentement avec Mathieu Robichaud, qui est le concepteur du nouveau skatepark à Saint-Georges. Mathieu, est-ce que tu peux m'expliquer comment ça fonctionne, le mandat, quand tu reçois un mandat comme ça pour créer un skatepark? Les mandats sont d'habitude donnés par les municipalités. Sinon, ça peut être aussi des bureaux de professionnels qui m'approchent.
Mais le plus le fun et le plus non seulement agréable, mais rentable pour tous, c'est que les villes m'engagent directement puis que je travaille en consortium avec soit des ingénieurs, des architectes, architectes paysagistes, etc. Le processus par la suite, bien, c'est de rencontrer les élus. Ils me donnent un site, un budget, puis des limites et des contraintes avec lesquelles je dois travailler pour élaborer le projet. Pour arriver à designer des skateparks, j'ai fait des études en architecture de paysage. Puis en sortant de l'université, j'ai tout de suite décidé, parce que j'étais un skater depuis au moins 10 ans à ce moment-là, 10-12 ans, puis il n'y avait pas de beau skatepark au Québec. Il y a une espèce de mauvaise perception par rapport au béton qu'on avait dans le temps. On le vit avec les viaducs, tous les trucs qui se défont, mais tu sais, c'est de l'ancienne technologie, de l'ancien béton, puis des méthodes douteuses des fois. Donc, l'idée, c'était d'amener un concept de skatepark intégré en béton qui allait durer longtemps, mais surtout bien roulé et être plus sécuritaire pour les adeptes. C'est de quelle façon tu t'inspires quand tu crées un skatepark? Est-ce que c'est des modèles que tu aurais vus, exemple, en voyage? Peut-être, des fois, on a l'idée des skateparks de la Californie, des fois, qu'on voit un petit peu plus peut-être dans les films. D'où ça vient ton inspiration? L'inspiration pour un skatepark, ça vient de mon expérience à moi, évidemment. Mais je m'assure toujours d'impliquer le plus possible les adeptes des communautés avec lesquelles je travaille. Et aussi mon partner dans le design de skatepark, Charles Deschamps, qui est un skater de très haut niveau et qui est aussi technicien en architecture. Finalement, c'est oui, d'autres idées, d'autres choses que j'ai vues, mais c'est surtout en fonction du site. Puis de là, le lien avec mes études. L'architecture de paysage, ça m'a permis vraiment de penser autrement le skatepark. Pas le voir comme un rectangle. Le voir comme, OK, j'ai de la topographie, j'ai un site X, j'ai un budget comme ça. Puis j'ai des adeptes qui veulent avoir des rampes ou juste des box pour faire du street. Tu sais, c'est juste de travailler dans le fond, dans le but ultime d'avoir le projet le plus cool possible pour les gens qui vont l'utiliser à tous les jours. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans tout ça? Est-ce que c'est d'aller vite ou c'est de faire des demi-rampes comme ça ou des blocs? Puis ben, d'apprendre tout. Mon but, c'est de tout faire les choses, là. Là, j'essaie de faire des rampes, là, mais c'est dur. Le skatepark, moi, je trouve ça c'est qu'il y a pas mal de diversité à comparer de ce qu'on avait avant à Saint-Georges. Là, ils ont mis 400 000 de budget, fait que ça paraît, là, le skatepark, il est vraiment sick. Je dirais même qu'il est comparable à lui de Québec. L'idée, c'est que le plus de personnes puissent en profiter. De là, on peut regarder, on le verra tantôt peut-être dans les images, je fais jamais d'escalier qui t'oblige à sauter en bas. Je fais toujours une petite pente pour descendre. Puis ça, dans ma tête, c'est toujours, ben, est-ce que le petit gars qui commence va pouvoir rouler partout puis tout essayer? Puis l'anecdote dont je vous parlais, c'est un jeune, le premier skatepark il y a 15 ans. Le jeune était en chaise roulante électrique. Puis en s'en allant dîner chez lui, il venait laper dans le skatepark. Il aimait ça, tu sais, quand il tournait en bas, ça criait un peu ses roues, tout ça. Tu sais, c'est pour tout le monde, mais ça s'appelle un skatepark. Je suis un skater et je pense pour le skate en premier. Ensuite de ça, les BMX, les trottinettes, les patins s'adaptent à ces géométries-là qu'on propose. Puis ça a été comme ça depuis toujours. Il y a des bike parks qui existent. Il y a probablement des trottinettes parks qui existent quelque part, pas ici, mais bon. L'inspiration vient du skate. C'est avant tout pour le skate. Les dimensions, la finition, c'est pour les petites roues dures de skate. Mais après ça, les autres personnes sont bienvenues pour jouer dans le skatepark aussi. Là, c'est pas terminé encore, mais il va y avoir des arbres. Il y a des roches qui s'alignent là, il y a des arbres au centre. Tu sais, l'idée, c'est de créer une zone de regroupement pour tous. Donc, tous les usagers de tous âges pour n'importe quel jouet qu'on a en dessous des pieds. T'sais. J'ai dû réaliser à peu près une trentaine de projets. Des projets construits, je pense à peu près une trentaine. Mais la clé du succès là, de mon entreprise, ça a vraiment été de m'affilier avec un skater. Avoir deux personnes, de pouvoir se lancer la balle. Je fais ça aussi avec les comités de design. Quand je rencontre des jeunes au départ dans les municipalités à travers le Québec, c'est toujours on forme toujours un regroupement des usagers de la place, puis on discute. Qu'est-ce que vous voulez avoir? Souhaitez-vous avoir une piscine, un bol? Souhaitez-vous avoir un skatepark avec des modules très rectangulaires, plus street dans le fond? Ou bien non, un peu comme ici, ça roule très vite, mais il y a aussi le street, tu sais. Fait que trouver c'est quoi que les usagers de la place veulent vraiment.
Ensuite de ça, bien, ici, c'est un peu... sans dire que je l'ai designé pour moi, là, l'idée, c'était d'aller chercher le meilleur des deux mondes. Là. Ça va vite, puis il y a du street aussi, tu sais. Ce skatepark-là est comme le plus hot parce que c'est le dernier que j'ai fait, puis le prochain sera le plus hot aussi parce que ça va être le dernier fait, tu sais. Fait que c'est toujours en évolution, mais une chose est sûre, l'idée, c'est de vraiment travailler pour les adeptes de chacune des villes, chacune des communautés qui m'invitent à travailler avec eux, dans le fond. Je vous ai promis en début d'émission un beau voyage. Alors, de la Floride à Porto Rico jusqu'en Italie. Oh, pas sûr qu'on peut faire ça dans un même circuit. Mais on sait ce qu'on vous propose à l'émission ce soir. Et c'est avec Chloé qui est de retour avec nous pour cette nouvelle saison. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être de retour avec nous. Merci. C'est toujours un plaisir de répondre à ton invitation. Et de nous faire voyager, de nous faire découvrir de nouveaux endroits aussi. Parce que, bon, je sais qu'on va aborder la destination de la Floride. Il y a plusieurs Québécois, évidemment, qui y vont. Mais avec des petites twists différentes, là, ça peut être très intéressant. Bien, ce soir, j'ai pensé parler des ports d'attache, tu sais, pour ceux et celles qui aiment faire ou encore qui réfléchiraient faire des croisières. Parce que on pense souvent à New York, qui est quand même un port très, très important, mais vous pouvez partir d'un endroit très près d'ici, parce que la Floride, on s'entend, c'est relativement pas très loin, mais aussi d'autres endroits qui vont vous faire un peu plus rêver, parce que des croisières, c'est très populaire. De plus en plus, vous pouvez y aller c'est vraiment des courtes durées ou encore de très longues durées, mais avec des prix qui sont plus abordables que ce qu'on a peut-être en tête. Là, Donc, ça a changé un petit peu l'industrie des croisières. Parce que si on recule de quelques années, il me semble qu'on se dit, ben non, c'est un prix de fou, c'est trop cher. C'est une idée préconçue qui a déjà eu sa raison d'être, mais de plus en plus, puisque l'offre est plus diversifiée, on a descendu effectivement le prix. C'est l'offre et la demande. Hein? C'est toujours le même principe. Autant pour les voyages, je vous le répète souvent. Alors oui, on pourrait débuter par la Floride. Il y a deux ports très importants. J'irais même dire trois. Donc, Fort Lauderdale, qui est le port de Fort Everglades. Il y a aussi le port de Cap Canaveral et le port de Miami. Ce que j'aime de la Floride, c'est que, quel que soit le port auquel vous décidez d'être attaché, c'est que vous avez la chance de faire des croisières de 7 nuitées, mais également des 3 ou des 5 nuitées. Peut-être quelqu'un qui a peur d'avoir le mal de mer. Ou qu'on n'est pas sûr. Oui, bien, je me dis, vous faites un séjour en Floride d'emblée, ou encore vous dites, moi, tu sais, je suis toujours là, ou je connais quelqu'un qui a un pied à terre, alors j'y vais et j'en profite pour me tenter. Et c'est à ce moment-là aussi où ce que vous pourrez sans doute trouver des voyages peu chers. Parce que vous pouvez faire, je pense, entre autres, un 3 nuitées dans les Bahamas. Alors, c'est très abordable. Mais aussi, la plupart des grandes croisières qui partent vers les Caraïbes occidentales, eh bien, ça part de là. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez de nombreux forfaits qui partent de Montréal ou de Québec au niveau de l'avion. Vous allez atterrir, par exemple, à Fort Lauderdale. On vous prend en charge à ce moment-là. Ah. Oui, oui. Et là, tu sais, il y a vraiment la navette. Pour faire le changement, là. Oui, c'est ça. Puis là, vous allez... embarquer et voilà. Ce qui est intéressant aussi de partir de la Floride, c'est que, comme je disais, il y a de belles destinations au niveau des Caraïbes, mais il y a un nouveau port qui est très, 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 très populaire, c'est Key West. Alors, vous descendez vraiment là, au point le plus au sud de l'Amérique et de plus en plus, c'est en demande, c'est une destination, bien oui, qui est aux États-Unis, mais qui est, je vous dirais, comme à mi-chemin entre justement les Caraïbes et l'Amérique du Nord. Donc, on va chercher une touche d'un peu de tout. Alors, c'est de plus en plus populaire pour la plongée en apnée notamment. Et les croisiéristes aiment beaucoup aller voir ce coin de pays-là. Donc, une belle façon de combiner différentes choses et surtout ce que je retiens, de l'essayer quand c'est on n'en a jamais fait. Là. Oui, puis vous pouvez aussi en profiter pour prolonger votre séjour en Floride. Comme tantôt, je disais, peut-être que vous allez en profiter pour essayer la croisière, mais ça peut être le contraire. Alors, vous vous dites, tant qu'à être là, ben, je vais rester une semaine. Et là, ben, vous pouvez avoir les magnifiques plages de la Floride, le magasinage aussi, il ne faut pas l'oublier. Il y a aussi les équipes professionnelles, hockey, baseball, football. Alors, ça peut être très intéressant. Ça fait un voyage en deux temps. Peut-être aussi pour la famille. T'sais, des fois, on parle de croisière. Il y en a beaucoup à thématique pour les jeunes et tout ça, mais en pouvant jumeler d'autres activités ou en tout cas d'aller voir un match quelconque. Là. Aller à Disney. Ben oui, c'est vrai. Ça, c'est un autre dossier. Oui, oui, quand même. C'est possible de le faire à la journée. Si on s'en va maintenant plus au sud, bien, il y a San Juan à Porto Rico. C'est sûr que ça demeure un territoire américain, mais c'est un port de croisière extrêmement populaire, un des plus populaires, parce que en premier lieu, le port, le point de vue que vous avez en arrivant, c'est
phénoménal. Parce que Porto Rico, c'est une destination qui est très riche en histoire. Alors, ceux et celles qui aiment cet aspect-là, c'est peut-être un endroit privilégié. Vous pouvez prendre une croisière qui part de Porto Rico, donc vous allez avoir un vol en partance de Montréal ou de Québec vers là-bas. Et puis, en ce moment-là, vous allez, comme je disais tantôt, être pris en charge. Ou encore, ben vous prenez une croisière qui va accoster à un certain moment à Porto Rico. Et ce qui est le fun, bien, c'est que, comme je disais, c'est riche. Il y a le port de San Juan qui est vraiment beau, mais il y a aussi beaucoup d'installations portuaires et des phares. Notamment, il y en a un qui c'est le plus vieux de l'Amérique, du Nouveau Monde, en fait. Alors, donc, il y a toute la portion historique qui est intéressante. Puis il faut aussi dire que, tu sais, au niveau culturel, Porto Rico, c'est un amalgame de différents pays. Hein? Mm-hmm. Ça a été colonisé. On a un peu d'Afrique, on a un peu d'Amérique, on a un peu le point hispanophone aussi. Alors, c'est ça, c'est très, très riche quand vous pouvez demeurer quelques jours pour vraiment prendre l'empreinte de ce territoire-là. Vivre c'est comment génial. Ça se passe, ouais. Là, puis prendre l'ambiance. Puis le gros positif de Porto Rico, c'est que pour très peu cher, vous allez pouvoir visiter parce que tout est à proximité. OK. T'sais, même à pied, là, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. Pas besoin de louer, par exemple, une c'est voiture. Ça. Ou en taxi, pour à peu près 20 $ vous on allez a fait avoir le tour. Fait... Oui, ah, exact. Super. Ouais. Parfait. Et là, dans un troisième lieu, bien, là, on change complètement de décor. On va en Italie. J'ai pensé au port de Civitavecchia, qui est à peu près à 70 km de Rome. C'est pas collé sur Rome, mais Rome, c'est très, très, très serré. Là, c'est dense, c'est, là, on oui, est pas... Oui, c'est ça, ouais. Exact. Donc, c'est sûr que vous pouvez pas arriver à 2 minutes de Rome, mais il y a beaucoup de points positifs de partir de ce port-là. Premièrement, bien, vous êtes quand même relativement près de Rome. Également, c'est un port... Bon, faut que je le dise, c'est pas un port si beau. Contrairement okay. peut-être à San Juan, quand vous allez ça arriver, flash moins. C'est que c'est commercial. Okay. C'est un port autant pour les croisiéristes, mais aussi pour le commercial. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est moins sexy. Tape à l'œil. Ouais. Ouais. Par contre, c'est pas très loin. Vous allez pouvoir aller à la place Saint-Pierre, vous allez pouvoir aller au Colisée de Rome. Et aussi, ce port-là, vous allez pouvoir à proximité prendre un fameux traversier pour aller à la Sardaigne, pour aller voir Crète, pour aller en donc, son en emplacement course. Nous permet vraiment là, de partir vraiment, après tout ça. Tout à fait. Et tant qu'à être là, bien là, c'est vrai, il faut absolument en profiter pour visiter l'Italie. On va pas là souvent dans notre vie. Mm. Alors, faut vraiment, n'importe quel agent vous le dira, si vous prenez une croisière en partance ou en arrivée de cet endroit-là, de Rome ou de n'importe où en Italie, profitez-en. Découvrez de fond en comble tout ce que vous voulez en Italie. Mais c'est un pays tellement riche de tout. De culture. Et justement, pour les itinéraires, oui. quand on choisit, par exemple, une croisière, oui. il y a tellement de choses, on ne veut rien manquer, mais vous êtes là pour nous aider aussi à choisir notre parcours ou les points forts ou qu'est-ce qu'on peut visiter. Il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez avoir. Si vous êtes quelqu'un qui désirait faire une croisière fluviale, il y en a de très nombreuses possibilités en Europe. Si vous, comme tantôt, je parlais d'une croisière vraiment plus au niveau des Caraïbes, à plus petit, pour un plus petit budget, il y en a là une pas achetée. Vous pouvez y aller 4 jours, 7 nuitées. Aussi, si vous, la fameuse croisière en Alaska, beaucoup oui, de gens rêvent de vrai. Ça. T'sais, il y a plein de possibilités. Vous voulez voir des baleines, vous voulez pas voir de baleines. T'sais. Vous voulez arrêter, je sais pas, n'importe où, comme tu le disais. Vraiment, on est là pour ça. Il y a de très nombreux circuits pour tous les budgets. La saison forte des croisières, surtout pour l'Europe, là, c'est présentement. Dans le fond, de septembre à peu près à avril, c'est possible de partir l'été, mais c'est très chaud. Tu sais, au niveau du budget, vous pouvez... C'est sûr que ce sera intéressant, mais c'est chaud. Si vous avez de la difficulté à tolérer la chaleur accablante... Donc, moins agréable. Ouais, c'est ça, parce que la Méditerranée, on connaît peut-être le climat, là, c'est vraiment important. Là. Alors, à ce moment-ci de l'année, c'est la saison des croisières. Bien, on le sait, on en parle avec Québec, qui n'est pas très loin de nous. Oui. Il y a de très nombreux bateaux en octobre, septembre également, qui accostent. Toujours très impressionnant. Alors, c'est la même chose pour les croisières en du côté de l'Europe, là, ça part beaucoup à peu près à partir du mois d'octobre jusqu'en avril. Et ces bateaux-là sont toujours très impressionnants. Oui. Puis, mon Dieu, sont autosuffisants. Tout à fait. On pourrait rester là. Là, on parle d'expédition et tout ça, de quitter le bateau pour aller visiter, mais on peut très bien rester c'est ça. Là. Si vous partez en famille ou encore en groupe, et que vous êtes, par exemple, nous, toi et moi, on est deux amis, puis on sait qu'on veut beaucoup visiter, mais que nos deux autres amis, elles autres, ce sont plus des gens qui sont, donc, qui aiment demeurer à la piscine. Il n'y a aucun problème, tout est possible. On pourrait même... On l'adapte. Tout à fait, parce que c'est jour après jour. Alors, ce matin, finalement, Geneviève, tu te sens pas bien, tu décides de pas sortir, il n'y en a pas de souci. Tu vas payer la sortie si tu veux la faire, mais si tu désires pas, tu demeures sur le bateau à profiter des installations. Ouais. Casino, piscine, comme on disait, glissade d'eau dans de nombreux cas.
spectacle. Faire des achats, de oui, tout. Là. Salon de massage, oui. Salon de, tu sais, vraiment de sport. Il y en a qui ont des glissades d'eau, oui, de tout. Des mini-pods, oui. des initiations au surf. Oui, c'est vrai. C'est sans limite. Il y a des croisières thématiques aussi. Disney, tantôt, on en parlait. Ouais. Il y en a une très, très, très populaire. Si vous aimez avec les enfants, là, les costumes et les mascottes, c'est drôlement à privilégier dans ce cas-ci, peut-être. Et on le disait, ce sont refaits un peu comme une beauté où c'est plus populaire et c'est donc plus accessible aussi. Oui, mais il ne faut pas oublier, comme tantôt je le mentionnais brièvement, quand vous sortez du bateau, il faut toujours payer. Hein? Okay. Si vous dites, moi, je veux visiter San Juan, bien, vous allez devoir payer une sortie. Ou encore, si vous dites, bien, moi, je vais faire ça par mes propres moyens, parfait. Par contre, soit à l'heure, là, à 4 heures pour embarquer. Pour embarquer le bateau après. C'est ça, mais il faut toujours garder ça en tête. Puis aussi au niveau des forfaits, lorsque vous êtes sur un bateau, il n'y a pas toujours le fameux tout inclus qu'on connaît bien. Des fois, c'est possible, mais vous pouvez aussi choisir de prendre un forfait avec seulement quelques bouteilles de vin dans votre semaine. Plus comme à la carte. Oui, ou pas du tout d'alcool. Faut ajouter le service en sus, dans le fond. Tu le disais, il n'y a pas de limite, mais c'est ça, là, puis c'est adapté à ce qu'on veut vraiment. Ouais. Donc, on s'informe, bien sûr. On n'enlève pas cette possibilité-là de voyage parce que ça peut être quelque chose de très, très intéressant. Assurément. Aussi. Beaucoup de croisières. Tu sais, on passe à la République. Des fois, on veut faire autre chose qu'aller toujours à la même destination, en République dominicaine. Il y a des belles croisières qui vous permettront d'y retourner, mais de le voir d'un autre œil. Mais par la suite, bien, vous allez aller, je sais pas, moi, voir la Romana, peut-être une autre destination en République. Puis après ça, vous allez aller à Cozumel, au Mexique. Fait que vous allez vous dire, waouh, je suis jamais allée là. Exact. Mais par la suite, j'y retournerai. Tu sais, ça peut être ça aussi. Ça pourra vous permettre de choisir éventuellement une seconde destination où là, vous allez mettre un pied à terre plus long, peut-être. Tout à fait. Mission accomplie. Encore une fois, on a le goût de partir, peu importe la destination. Merci beaucoup, Chloé. Et merci à vous d'avoir été là. Merci à nos invités, évidemment, de cette semaine. Je vous relance l'invitation. Vous avez une question à poser à un de nos experts, ou en tout cas, on ira chercher la réponse auprès d'un expert. Peu importe le sujet de cette question, vous allez la poser sur notre page Facebook, Nous TV Beauce-Appalaches, et puis nous y répondrons, évidemment. Il y a toujours à chaque semaine une question comme ça parmi le public qui est choisi. Passez une belle semaine. On se retrouve jeudi prochain. Bye-bye. Fier de faire rayonner notre communauté.